Les Ivoiriens, arrêtez d'être ignorants, arrêtez de vous jouer les aveugles. Montrez-moi en Côte d'Ivoire ici un seul artiste qui est plus fort que Siriki Diabaté. Taguez-moi un seul artiste en Côte d'Ivoire ici qui est plus fort que Siriki. Côte d'Ivoire ici, il y a un seul feignant, un seul voyou et un seul bon à rien dans ce pays qui chauffe moi mon cœur. C'est Debordeaux le Kounfa. Debordeaux qui passe son temps à parler mal des Maliens. Debordeaux c'est un feignant, c'est un voyou. Parce que s'il y a un artiste qui devrait représenter la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mondialement, c'était Debordeaux le Kounfa. Tellement que c'est un bandit, il veut rien faire, il est devenu TikToker. Ce qui me fait mal, au lieu de parler bien de ses amis, c'est lui qui sait qui est bon, qui est mauvais, ou pourtant le plus maudit, c'est Debordeaux. Siriki Diabaté n'a rien dit de mal, il n'a rien fait de mal. C'est la vérité, il a dit. Siriki Diabaté, il est le meilleur artiste en Côte d'Ivoire ici. Il est le meilleur artiste au Mali. Le monde entier peut confirmer. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois des gens sortir ici là, toi, oh, Siriki Diabaté, vous n'avez rien à dire. Le gars, il est fort. Partout où tu as déposé Siriki Diabaté là, il va casser. Il va remplir parce que quoi? Son talent là, c'est Dieu qui lui a donné. D'autres disent que c'est les Ivoiriens qui ont fait Siriki Diabaté. Les Ivoiriens ne peuvent pas faire Siriki Diabaté. Siriki Diabaté, c'est un don que Dieu lui a donné. C'est comme un président. C'est la population qui met un président au pouvoir. Et c'est cette même population qui vient dire, oh, vous l'avez voté, c'est pas de votre faute. C'est un enfant. En fait, il a été créé pour ça. C'est ce que Dieu a écrit dans sa destinée. Ça veut dire, l'homme là, si ton jour arrive là, même le sorcier de ton village, ton ennemi, il va voter pour toi. Et c'est ce même ennemi qui va venir s'asseoir pour dire, même si il savait. Quand Dieu prédit quelque chose là, personne ne peut faire quelque chose pour ça. Ivoirien ne peut pas soulever quelqu'un, c'est Dieu qui élève. Arrêtez votre immaturité là. Ça ne sert à rien de faire ce que vous êtes en train de faire là. Ivoirien ne peut pas soulever quelqu'un, c'est Ivoirien 100%. Arrêtez de vous inventer. C'est Dieu qui dirige ce monde, c'est Dieu qui élève qui veut. Si Siriki Diabaté aujourd'hui est à la hauteur aujourd'hui, il est au-dessus des artistes, c'est Dieu, c'est son don en lui, c'est Dieu qui lui a donné. Ouais. Votre bêtise là, votre pourquoi l'arrêter. Ivoirien ne peut rien faire pour quelqu'un ici. Ivoirien ne peut pas soulever quelqu'un, c'est Dieu qui élève. Un point, un trait. Il n'y a pas artiste qui peut se comparer à Siriki Diabaté en Côte d'Ivoire ici. C'est moi qui dis ça. Le fer rouge que Mola prend pour vous donner comme primus là. Je vous justifie primus, c'était or là. Mola n'en a pas de partager ça n'importe comment. Mana a confirmé qu'il a pris, mais artiste coupé des galants en Côte d'Ivoire ici. Mais on va où ça? À un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a pas aveugle si t'es en Côte d'Ivoire, si tout le monde voit clair. Vous voyez la réalité. Donc si Siriki Diabaté dit lui le meilleur artiste en Côte d'Ivoire, acceptez ça. Parce que c'est une réalité. Il est le meilleur artiste en Côte d'Ivoire. Les Debordeaux, Didi B, tous ces petits artistes là, c'est les feignants. La limite là, c'est en Côte d'Ivoire ici. Ils ne peuvent rien créer à quelque part d'autre. C'est moi qui vous dis ça. Vos bêtises là, le fait de vous jeter les ignorants, arrêtez. Siriki Diabaté est plus fort que tous les artistes ivoiriens. Qu'on aurait vous êtes en train de dire là, le gars ne vous voit même pas. Ça va les deux, toujours pour vous.